Ah, c'est bizarre, hein, parce que tu vois, c'est plus un corps qu'on transporte, c'est la meuf vivante. Hein. C'est très chelou. Hey, salut les martiens! Alors on se retrouve encore aujourd'hui sur Death Stranding pour un nouveau let's play sans spoil. Et bah tu vois, je dis les martiens parce que tout simplement on a l'impression d'être sur la planète Mars ici. C'est hallucinant. Alors je suis exactement dans la même région que le dernier let's play. C'est une grande région, hein, vraiment, c'est hallucinant. Et il y a plusieurs biomes, c'est vraiment dingue. On avait commencé par une zone un peu rocailleuse, ensuite il y avait de l'herbe, beaucoup de pluie, etc. Là je suis passé par le sud, il y avait beaucoup de matériaux type céramique, etc. Et là je suis allé voir un mec qui s'appelle le ferrailleur là. Et tu vois, bah, le ferrailleur il vit dans une casse. Hein, et en fait il casse les couilles parce qu'il veut pas appartenir à notre secte. Hein, aux UCA. Bon, on va aller déjà se débarrasser de ce que j'ai sur le dos là. Il faut que je le jette en fait dans une sorte de gouffre. Alors, j'ai l'impression que c'est par là. Et lui, en fait, il va falloir retrouver. Bah, je crois que c'est sa fille hein, qui soi-disant est morte, mais en fait, soi-disant, elle est vivante. Donc c'est voilà. On va essayer de gagner un petit peu sa confiance. Hein. Bon alors attends, je vais peut-être regarder sur ma map. Hein. Tu vois là, les marchandises que j'ai, en fait, elles sont complètement éclatées par le Kyralium, si j'ai bien compris. C'est la première fois que je vois ça. Et il faut aller le mettre eh ben, dans ce lac, hein, j'ai l'impression. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un passage. Il faut aller... Ah ben, c'est beaucoup plus loin que ce que je croyais, en fait. Ouais, je suis pas du tout dans la bonne direction. On va prendre la moto. Alors moi, maintenant, j'y vais à l'arrache, hein, tu vois, je... Ah, on me casse les couilles là déjà. Ah mais pourquoi elle avance pas cette putain de bécane là? Non mais la physique de ce jeu, je te jure. Ah par contre là, ah oui non, bon ouais, alors, voilà, évidemment il y aura des échoués. Ouais bon, alors avec les échoués malheureusement on va devoir descendre de la moto, on va s'accroupir et puis on va y aller plus lentement que prévu. Hein, ça casse un peu les burnes mais bon voilà, c'est comme ça. Alors les échoués pour l'instant ça clignote pas trop. Voilà, ça commence à clignoter. Ok, y'en a un qui est là, y'en a un qui est là, alors je n'ai rien du tout, mais là je suis complètement à poil parce que j'ai tout, ah si j'ai pas, ah non j'ai une poche de sang, ouais mais j'ai rien quoi, c'est, j'ai rien pour les combattre, c'est... Voilà, c'est ça, c'est la bonne direction, par contre y'a que dalle, hein. Y'a rien à ramasser, pas de métaux, rien. Bon allez, bon je cours, mais là je suis vraiment sans exosquelette, c'est un peu mystique hein. Alors, lancer des marchandises, appuyez sur carré lorsque vous portez des marchandises à la main pour balancer vos bras, et pour porter à la main, voilà c'est bon. Ok, cool, juste carré, ça suffit. Voilà. Oh bah écoute, franchement là, on s'est bien débarrassé de toutes ces merdes. Bon, alors voilà, on va se garer juste devant. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux? On va retrouver ta fille là, je sais pas quoi. Allez, accepter les commandes pour Sam. Tu veux qu'on aille où? Collecte de vieux composants. Voilà. Ça c'est vraiment une mission basique qu'il faut remplir en général quand on connaît pas quelqu'un. On va à un endroit, on revient. Bon voilà, ça c'est bien. Par contre, il me donne. Enfin, je peux. Voilà, j'ai pas de matos en fait. C'est vraiment hallucinant. Bon alors, en plus il y a même pas le casier partagé, mais bon le casier privé tu peux regarder, mais bon là tu vois j'ai que dalle aussi, donc on va y aller bah à OLP hein, on va y aller à OLP hein, c'est pas grave, hein. De toute façon on a rien à perdre comme ça. Bon alors il y a quoi là, il y a de la merde, il y a des mules, il y a de la pluie, il y a des échoués. Oh d'accord, je peux pas y aller en moto là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une sorte de cercle. Ah oui non mais ça indique juste la zone où faut fouiller. Ok donc nouveau vieux composant. Ah il y en a plusieurs. Hein. Allez on ramasse vieux composant. Alors faut une certaine masse, hein, faut pas tout ramasser, hein, sinon ça serait galère. D'accord, il y a un truc de données là-bas à récupérer, ça va être bien. Attends, il est où là? Il est où le prochain? Oh, ça clignote mais je ne le vois pas. On va récupérer les composants, les données plutôt là. Derrière le 4x4. Allez, on prend ça. Voilà, c'est cool, on va voir ce que c'est. Ok, bon on va sauter là. Voilà, nickel. Et puis on va descendre tranquillou. Voilà, on va la faire tout en souplesse. Ok, il y en a là-bas aussi. Ok, on a récupéré les 60 kilos. Ma bécane. Oh là là, oh tous les échoués qu'il y a, c'est déconné. Ma bécane, elle est où? Putain, elle est là-bas, non. Bon, il a pas l'air de trop clignoter là, mon bordel. Donc, on va peut-être accélérer un peu. Ouais, tu parles, il a pas trop envie de courir. Hein. Ah oui, ah ouais, bah oui, j'ai plus d'exosquelette. Ah bah putain, quel merdier, bordel. Allez, ramasse. Putain, il y avait un truc à ramasser, bordel. Oh le bébé, alors le bébé on va essayer de le calmer, surveiller le bébé, voilà, apaiser le bébé, apaise-toi parce que sinon je peux plus voir les échouer, hein, donc on va te secouer gentiment.
Voilà, ça va mieux là, hein. Ça va mieux, on se calme, hein, le bébé. Voilà, mon gars. Allez, go. Ah ouais, il a presque plus batterie, le bordel. Mais si je le connecte, il y aura peut-être des joueurs. Après, j'ai accès, tu vois, aux structures. Il y a peut-être des joueurs qui auraient mis une batterie, tu vois. Donc, on va voir. Ah, tu vois, c'est encore des marchandises perdues pour le lac cratère des contaminés, là, comme on a fait. Donc, bon, c'est pas la peine pour l'instant. Ouais, donc après, apparemment, c'est elle. Bon, alors. Bah, ouais, mon gars. Bah, oui, c'était pas compliqué, hein, là, ça va. Hein. Ah, oui, tu m'étonnes, donc on a une sacrée paire de bottes. C'est plus vrai, les ruines que vous avez vues. Ce serait pas des ruines si Fragile nous l'avait pas fait à l'envers. Les Bridges aussi. Toutes ces histoires de ouais, il aime personne. Ma copine sera encore vivante sans vos conneries. Ah, c'est sa copine, mais elle est super jeune, c'est grave. Il se trompe. Elle est dans un abri au sud-est des ruines. Ah, on en sait plus alors. Vas-y, interviens, Bridges, machin là. Peu importe qui l'incendie sur le réseau. Et j'ai l'impression que ça le soulagera plus de s'en prendre à moi. T'es un squelette qui améliore la stabilité et la mobilité. Je l'ai fabriqué. J'avais des pièces qui traînaient, alors j'ai putain, peur. Il va nous donner un exosquelette Mark 3, ça se trouve. Trop cool, ça va nous sauver là. Si on en croit le ferrailleur, le sablier chiral est un objet d'une très grande fragilité. Je vous recommande de transporter ce genre de marchandises à la main. À la main? Oh là là. Wow, à la main, mais j'espère en moto quand même. Oh. Mais pourquoi tu le reposes, imbécile? Oh putain, il faut maintenir R2 pendant tout le trajet, c'est pas vrai, on peut pas utiliser la moto. Ah bah ouais, bien sûr. Oh là 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 là, quelle galère. Bon, on va tracer une route. Ah bah ouais, d'accord, bah ça va être cool. Hein. Bah c'est pas très loin de là où on était, remarque. Mais comment tu veux que je pèse à gauche puisque de toute façon à chaque fois il lâche le bordel, ça casse les couilles. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il est... Ah non, il est tombé! On retient la respiration, on retient la respiration. Non, t'approche pas, dégage. Ouais, non, j'ai pas envie qu'il abîme ce qu'on porte là, c'est fragile apparemment. Non, viens pas nous casser les couilles, c'est bon, on est loin. Tu vas t'arrêter de nous saouler. Voilà, ça devrait aller. Voilà, attention, parce que j'ai pas envie de tomber dans un ravin non plus. Ah bah j'ai bien fait parce que t'as vu, hein, c'est quand même pas terrible. Voilà, on va juste faire le tour comme ça, tranquillement, et on va se mettre à courir. Putain, qu'est-ce qu'on speed avec cet exosquelette, c'est incroyable. Hein. Eh ben voilà, attends, on y est arrivé là. Oui, voilà, connexion. Ah bah c'est elle qui va connecter tout le monde, l'autre il va pas nous saouler comme ça. C'est quoi arme de poing anti-échoué? Le siège de Bridges fournit les données de conseil. Ah d'accord. Ah bah c'est nouveau, c'est bien. À chaque fois il y a des nouveaux gadgets. Et là on va pouvoir avoir accès aux structures. Ça c'est bien. Ah ouais non mais voilà, c'était elle la petite. Ah bon mais faut escorter un humain, on n'a jamais fait ça. D'accord. Il y a des échoués hein, sur la route. Hein. Il faut absolument que je le revoie. Et après, ah bah c'est sur la route, hein, donc on va, tu sais quoi, on va faire ça et ça, hein, et puis comme ça on va sélectionner, disponible, on va au moins livrer la meuf, et après on verra. Hein. Bon allez, j'en ai profité pour partager les données, donc là c'est des données d'une moto, d'accord, et il y en avait un deuxième, bah écoute, je ne le trouve pas. On a la gonzesse sur le dos, c'est assez hallucinant, et en plus, bah on a mis ça, tu vois. Alors le truc, c'est qu'il va falloir l'attacher, c'est bien parce que jusqu'ici, c'est vrai que je t'ai pas montré comment on fait avec cet équipement, donc écoute, on va attacher la marchandise, voilà, j'adore, hein, franchement, c'est trop bien. Et du coup, on attache le transporteur, voilà, et le transporteur nous suit. Mais ça consomme des cristaux Kiro, voilà pourquoi je te disais que les cristaux sont très importants. Mais là, tu vois, on a accès quand même aux, bah voilà, aux structures des autres joueurs. Hein. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et là, ça répare, en fait, tout ce qu'on a sur le dos, ça répare. Hein. Ah, c'est bizarre, hein, parce que tu vois, c'est plus un corps qu'on transporte, c'est la meuf vivante. Hein. C'est très chelou. Hein. Ah, j'ai changé d'exosquelette, hein. J'ai pris un exosquelette voilà, qui est plus fort hein, plutôt que rapide. Oh, un pont, oh, c'est bien cool. Oh, il y a des métaux, il n'y a pas de cristaux. Eh, tombe pas. Oh, ça va, putain, le bordel, il flotte, heureusement. Il y a une corde et on a besoin de la corde pour descendre. Bah non, il était méga prudent, le mec.
Ouh non, là par contre non. Bah oui, évidemment, ça c'est un classique, on repasse par la même zone, hein, donc encore des échoués, décidément. On retient sa respiration, comme d'habitude. Par contre, ils n'apparaissent pas, hein, c'est assez hallucinant. Allez, arrête de clignoter là, putain. Voilà, que je puisse respirer un peu. Ok, il y a des céramiques, bon, on verra ça plus tard. Hein. Allez, allez, on le dépasse là, on le dépasse. On va passer gentiment sur le côté. Allez, allez, voilà, c'est bon. Ah, mon niveau d'énergie est diminué. Ah, je vais peut-être prendre une ouais, je vais peut-être prendre la gourde. Je vais boire. Je vais boire un coup là parce que franchement, ça va me remettre un peu d'énergie. Il y a deux motos là-haut. Ah ouais, d'accord, on voit vraiment tous les trucs des autres joueurs en fait. Voilà, un petit cristal, ça c'est pas mal, un autre, nickel, ça vraiment quand tu penses qu'on a un truc avec deux chariots, il y en a un autre là-bas, ah, c'est bien, il y a deux autres. Oulala, endommagé. Ah ouais, mais non, c'est juste endommagé, on va se calmer, on va le réparer dès qu'on est au calme. On va réparer sous la pluie, c'est pas une très bonne idée, mais bon. Ouais, on est bien là, on est bien. Ruiné, pardon. Ah, quoi, ruiné. Non, mais attends, mais t'es malade. Sortez vite votre spray colmatant. Ah voilà. Ok, spray colmatant. Oh putain, regarde, il va tomber dans les vapes si je le soigne pas, le bordel. Allez, répare. Oh le bordel que c'est ce truc. On va spray colmater un peu tout ça. Déjà ruiné, putain. Bah ouais, mais on était obligé de ralentir avec la pluie quoi. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Ah, j'ai presque plus d'énergie là, avec mon exosquelette. Là, énergie infinie, hein, ça te remet pas l'énergie, il va falloir construire une recherche d'énergie, sauf si un autre joueur en a construit une, évidemment. Mais en tout cas, elle est livrée, la meuf. Hein. Merci, Bridges. Ah bah voilà, il est reconnaissant. T'es vivante, c'est dingue. C'est ce que j'allais dire, Andouille. Bah oui. Ma mère m'avait dit que tu étais mort. Elle est bizarre cette relation quand même. Elle est quand même très très jeune là, hein, si c'est sa copine entre guillemets. L'homme que j'ai connu. Ne vendez pas de la ferraille. Mais tu te prends pour qui toi? Ah voilà, donc elle va, c'est elle qui va le motiver à nous réparer des trucs, à se connecter. Il est inutile. Ah ouais, ah bah on a fait tout ça pour rien, c'est sympa. Ah, c'est pas mal, allez-y, connectez-vous là. Je te demande si tu veux m'épouser, Andouille. Oh, ils sont mignons. C'est oui. Oh, franchement, c'est chou, hein. Bah, au lieu de la serrer dans tes bras, embrasse-la juste quand même, hein. Et encore une chose. Transporteur expert, mon pote. C'est pas de la classe, ça. Donc, rang 20 d'état de marchandise et je perdrai connaissance moins facilement. Ça, c'est bien. Bon alors, t'es content? Connecte-toi. 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 Je dois repartir sur... Les UCA peuvent compter sur moi. Ah, allez, connecte-toi. Ah, mais ça, c'est bien cool. Hein. Franchement, là, on l'a... Ah oui, il a mis un gros vent. Jamais on ne vous oubliera. Merci. Ah, ça valait le coup. Elle nous a fait un gros like, d'accord. Ça valait le coup d'embaucher Norman Reedus s'il a aucune réaction. Franchement. Putain, bon, maintenant ils vont. Nous aussi on la like, ils vont ken et puis nous on est comme un con là. Putain. C'est à la zone suivante. On a bien taffé, hein. Voilà, c'était un nouveau petit let's play en direct de la planète Mars. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à bientôt sur Death Stranding ou un autre jeu. Salut.